Cinéma ce matin avec notre nouveau collaborateur, bonjour Louis-André. Bonjour Anne. Qui est un grand cinéphile lui aussi et qui, comme Frédéric Pic et comme Maxime Gabriel, et qui nous offre une belle sélection de livres, de films qui viennent de sortir. Alors votre film le plus important du moment. Alors, je pense qu'il vaut mieux sélectionner l'Odyssée tout de suite, donc de Jérôme Salle. J'ai été très intrigué par l'affiche. Je me demandais de quoi il s'agissait, voyant l'Odyssée. Je me suis dit, tiens, est-ce une adaptation d'Ulysse, un Ulysse moderne? Oui. Et finalement, oui, un petit peu, puisqu'il s'agit donc d'une biographie du commandant Cousteau, donc de Jacques-Yves Cousteau. J'ai été assez agréablement surpris, puisque Jérôme Salle est notoirement connu pour avoir fait des films quand même grand public, assez portés sur l'action, donc Largo Winch, je crois. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, avec des plans assez réussis au niveau du monde marin. Et dans l'Odyssée, on a vraiment beaucoup retrouvé cet esprit qui met en avant vraiment tout le côté marin, le cinéma en mer et sous-marin, évidemment. Et beaucoup de scènes sous l'eau, j'imagine. Évidemment. Ça donne vraiment des images d'abord d'une très grande beauté, très grande richesse, avec un souci de la reconstitution, parfois avec quelques petits anachronismes, mais bon, c'est pas besoin de s'embêter avec cela. Ça donne un très beau film. Tout public ? Tout public, absolument. Tout public. Avec et Lambert Wilson est crédible en Cousteau ? Un très beau Lambert Wilson, effectivement. Il joue merveilleusement bien, avec une grande prestance, beaucoup d'élégance. Et Pierre Niney, dont le jeu s'est énormément amélioré au fil des années. C'est un grand comédien. Un grand comédien, finalement. Oui. Et ici, il incarne donc Philippe Cousteau. C'est lui qui jouait dans Franz. Oui, tout à fait, l'acteur principal de Franz. Nous redisons combien ce film Franz était magnifique. Il n'a pas été vilipendé par Le Figaro notamment. Oui, on se demande pourquoi. Mais encore une fois, il est toujours en salle. Et donc, chers amis de TV Liberté, si vous avez l'occasion d'aller le voir, il faut absolument y aller parce que c'est un très, très beau film et très original. Et je précise d'ailleurs pour l'Odyssée, pour finir, il y a Audrey Tautou qui joue la mère et qui nous offre dans ce film-là une très très belle performance de femme aigrie. Qui est une bonne actrice aussi. C'est elle qui jouait dans Éternité. Dans Éternité, tout à fait. Autre très très beau film de cette rentrée à voir. Bon, Odyssée. Second film, alors, La fille inconnue. Voilà, alors pour quelle est l'histoire? Alors c'est vraiment les frères Dardenne, le nouveau film des frères Dardenne, après avoir employé Marion Cotillard dans Deux jours, une nuit, qui était un très bon film, j'avais trouvé. Deux jours, une nuit, qui était un film sur le chômage. Le chômage, dur, dans une petite ville du nord. De Belgique. Toujours. C'est d'ailleurs, les frères Dardenne filment toujours dans leur même petite ville. Un film intelligent, d'ailleurs. Oui, effectivement, mais très social, mais pas du tout Loach, par exemple, pourrait le faire. Non, là, on est vraiment dans un film très intime, beaucoup plus sobre, très dépouillé. Il n'y a pas de musique, ou pratiquement pas. Alors, l'histoire est assez simple. C'est un jeune médecin qui remplace un vieux médecin qui va partir dans la banlieue de Liège. Ce jeune médecin refuse un soir d'ouvrir à une personne qui a sonné. Elle n'a même pas vu qui c'était. Mmh. Elle apprend le lendemain c'était une jeune immigrée, visiblement gabonaise, qui est retrouvée morte en face, sur la rive d'en face. La caméra de surveillance de son cabinet révèle que cette jeune fille, que c'est bien elle qui a appuyé. Et donc, prise de remords, ce médecin va mener sa propre enquête, d'une certaine manière, dans la banlieue. Et elle va rencontrer une résistance et une violence de la part de pratiquement tout le monde.
qui est assez incroyable. Et finalement, le film est plutôt réussi, même si bon, il n'échappe pas à certains stéréotypes du cinéma social. Oui, c'est pas trop engagé. Il y a quand même, voilà, vilains blancs et les grands, voilà, et les bons noirs. Ça n'est pas du tout cela. Bon. Et donc, ça reste un film très intelligent et très touchant. Et Adèle Haenel, donc qui est l'actrice principale, oui. Qui a été visiblement choisie. Je crois que c'est Luc Dardenne qui avait dit qu'il l'avait choisie pour sa naïveté, justement, qu'elle pouvait parfaitement incarné, et je trouve qu'effectivement ça ressort, très très bien. Très très bien. Donc c'était La fille inconnue. Captain Fantastique. Mathieu Ross. Oui, tout à fait. Voilà, donc Matt Ross, donc plutôt acteur fondamentalement, mais qui finalement s'est exercé un peu au cinéma dernièrement. Et avec ce Captain Fantastique, alors, je ne vous cache pas que je suis allé le voir d'abord pour Viggo Mortensen, dont je trouve le jeu absolument extraordinaire. C'est un acteur presque complet. Oui. Et il ne m'a d'ailleurs pas déçu dans ce film. Sa performance est géniale. Quelle est l'histoire ? Alors, l'histoire est très extravagante. C'est une petite famille, donc un père et ses nombreux enfants, dans le Nord-Ouest, dans les forêts du Nord-Ouest des États-Unis. Et qui donc vit complètement coupé du monde, une société à la fois hippie et beat generation. C'est vraiment quelque chose de très particulier, anticonformiste au possible, et évidemment extrêmement hostile au consumérisme de la société américaine contemporaine. L'histoire est que la mère de famille vient à mourir, alors au Nouveau-Mexique où elle était hospitalisée, le père va ramener tous ses enfants pour faire respecter les dernières volontés de la mère, qui était plutôt bouddhiste, alors que les parents étaient chrétiens. Possiblement, on ne saura pas vraiment s'ils sont plutôt tendance luthérienne, catholique ou autre. Le film reste assez vague là-dessus. Oui. Mais évidemment, on sent que le réalisateur cherche tout de même à mettre à mal les racines chrétiennes des États-Unis. C'est une tendance lourde, ça. C'est une tendance très lourde et qui va même, il faut quand même prévenir les téléspectateurs, dans la mesure où Captain Fantastique a une affiche qui se présente comme du tout public, assez folklorique. Et pas du tout. Et alors que, voilà, absolument pas pour les enfants. Il y a quand même une scène de profanation d'une tombe. Donc il ne faut quand même. C'est à noter. D'ailleurs, il est assez drôle de voir que la critique faite par Lacroix ou Marianne encense plutôt le film, ou en tout cas le trouve relativement bon. Il n'y a que Libération, finalement, dans leur hommage, qui a quand même relevé qu'il y avait une scène de profanation qui pouvait très, très choquer. Oui, puis vous donnez des idées à des tas de jeunes qui n'en auraient pas. Oui, qui en ont déjà suffisamment, il me semble. Qui en ont déjà suffisamment, absolument. Donc, un film très ambigu, intéressant à voir, mais avec beaucoup de délicatesse. Très bien, pour adultes seulement. Voilà. Alors, un grand film, si on a le temps, c'est « Voyage à travers le cinéma français » de Bertrand Tavernier. Frédéric Pic nous en a dit beaucoup de bien. – Et je ne peux que l'appuyer, oui. C'est un immense film. – Alors comment ça s'articule ?– Alors c'est très particulier. Déjà, c'est en deux temps, en deux parties. Il y a une petite pause de 10 minutes au milieu, oui. Puisque précisons que le film dure plus de 3 heures. Et ce n'est que la première partie, en réalité. Il y aura une suite, du moins dans le générique de fin, il y aura bientôt visiblement une suite. Et donc ce voyage à travers le cinéma français, qui se présente un petit peu comme Scorsese l'avait fait à travers le cinéma américain, nous offre en fait un regard autobiographique déjà de la part de Bertrand Tavernier. Bertrand Tavernier parle de son expérience du cinéma. – Donc il est en scène. – Il est en scène et c'est sa voix en off souvent, que l'on n'entend pas toujours d'ailleurs, mais c'est vraiment un regard très profond, très personnel et très juste aussi, je dirais. – Mais quel est le lien entre les différents extraits ? Eh bien justement, c'est lui le lien. C'est pour cela que j'ai dit que vraiment c'est un, je pense, il me semble que c'est un film vraiment autobiographique. C'est son expérience du cinéma, cela commence avec Jacques Becker, donc, premier film dont il ait pu voir un film, le premier auteur dont il ait pu voir un film.
ce film donne lieu ensuite à de longs développements sur alors Melville, qu'il va tenter de réhabiliter, Renoir, pour lequel on sent évidemment une immense admiration, oui. et en même temps une distance idéologique notamment, mmh. qui est tout de même là. Et le film d'ailleurs s'ouvre sur Aragon, et se clôt sur Aragon. Donc il y a un petit le peu… – Le décor est bien, voilà, est bien planté avec son père, d'ailleurs une petite mmh. séquence avec son père très, très touchante finalement, et Bertrand Tavernier parle sans relâche de ce cinéma qu'il aime, qu'il apprécie, il parle des auteurs américains. On voit beaucoup Lyon. Alors, on voit un peu Lyon, effectivement. On voit aussi Paris. On voit toute cette ambiance des vieux cinémas qui n'existent plus du tout aujourd'hui, ouais. et dont il essaie de retranscrire l'atmosphère. Il parle aussi de grands réalisateurs, alors comme Schindler, évidemment, dont il souligne à juste titre. C'est une excellente leçon de cinéma. Très belle leçon de cinéma, oui. Et qui aborde des acteurs, des réalisateurs, des producteurs comme Beauregard, pour lequel il a une grande admiration aussi, on le sent. Bon. Il y a aussi une belle réhabilitation finalement de Godard, c'est avec des anecdotes croustillantes, dont voilà, il y a beaucoup de choses, très drôles, très, très simples et en même temps très justes. Donc pour cinéphile, qui aurait le temps ? Pour cinéphiles et surtout pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est qu'un cinéphile, oui. eh bien qu'ils voient Bertrand Tavernier est un authentique cinéphile. Un authentique, oui. Très très bien. Et alors, un dernier film tout à fait étonnant, Poesia sin fin, Poésie sans fin. Tout à fait. D'Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky, tout à fait. C'est un Polonais, Polonais sa famille, espagnol. si l'on veut. C'est sa famille est issue, une famille juive ukrainienne qui a fui les persécutions, oui. Et qui s'est installée en Amérique latine, comme pas mal de familles, et donc au Chili notamment. Oui. Et donc Jodorowsky, qui est né donc, et a grandi au Chili, nous livre ici, alors il faut préciser tout de suite, le second volet d'une saga plus vaste, plus autobiographique. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec ce voyage à travers le cinéma français de Tavernier, il est intéressant de les voir ensemble. Il y a une dimension extrêmement autobiographique, mais alors chez Jodorowsky, totalement différente dans la mesure où elle est profondément marquée par le surréalisme. Mm-mm. Je dirais même que Jodorowsky est peut-être l'un des derniers très grands surréalistes qui existent. Jodorowsky est un touche-à-tout, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ce n'est pas seulement… – J'ignore tout. – C'est un cinéaste… – Et je ne suis pas particulièrement… pro-surréaliste. Ça fait 40 ans qu'on m'en bassine. J'avoue que j'y vais avec la pointe des pieds. – Eh bien, attention, effectivement, L'œil coupé au milieu. – Et oui, du chien andalou. Voilà. Et justement, Poesia sin fin fait de très, très beaux, très, très beaux, de manière esthétique, en tout cas, une très belle… – Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans ce monde du surréalisme ? Il faut lâcher prise, il faut oublier toute rationalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Se laisser, c'est certain. Se laisser voler en apesanteur Alors ça, j'ai envie de dire, Jodorowsky ne vous en laisse pas le temps, il fait planer ses acteurs, oui. Vous planez ou non, oui. Donc peu importe. Mais c'est un film effectivement doublement difficile, doublement compliqué, dans la mesure où effectivement l'univers surréaliste marqué par Dali, c'est évident là-dedans, mais aussi par Buñuel, dans ce film en tout cas, est très compliqué, mais il y a aussi toute la poésie qu'il ne faut pas oublier, puisque c'est Poesia sin fin, donc toute cette expérimentation que Jodorowsky a fait lui-même de la poésie, il la met ici en scène de manière complètement fantasmatique, mais très réelle finalement, d'un certain point de vue, c'est ce qu'il recherchait, lui en tout cas, avec toute sa famille d'ailleurs. Il faut noter que ses deux fils participent, donc Adan Jodorowsky, l'un de ses plus jeunes fils, et son fils aîné, je crois, qui joue ici son père, Jaime. Mm. Mais il met aussi en scène tous les poètes qu'il a pu rencontrer chiliens. Donc nous avons Enrique Lin et bien d'autres qui l'ont marqué, Garcia Lorca aussi. C'est aussi une leçon de poésie. C'est une grande leçon de poésie, un grand abandon. On peut voir même parfois des images qui font évidemment penser à L'Autre et Amont.
C'est un cinéma très particulier, évidemment pas pour les enfants. Il y a quand même des scènes assez choquantes. On sent le féru de littérature en vous. Il y a la poésie. Alors, résumons toute cette belle série, donc, pour laquelle il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, Poésie sans fin de Jodorowsky, Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, ensuite Captain Fantastique, juste pour les adultes, on a bien dit, La fille inconnue, pour les adultes aussi, c'est pas particulièrement… Oui, tout à fait, alors il porte un regard assez intéressant dans la mesure où ce cinéma social qui aborde finalement de manière très ténue l'immigration est intéressant à voir en tout cas. Et l'Odyssée de Jérôme Salles, sur lequel nous allons terminer cette émission puisque nous allons voir les images et ainsi inviter nos téléspectateurs à aller le voir. Au voyage. Merci beaucoup Louis-André. Merci Anne. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre séquence de Perles de Culture. Je la vois, c'est la prison là-bas. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie pour cette rubrique L'art en beauté de recevoir un chanteur, Patrice Martineau. Bonjour. Bonjour Anne. Et qui prépare un nouveau concert, le 4 et 6 novembre. Et ça s'appelle Chanter pour embellir le monde. À Paris, Espace Bernanos, à 20h. Et l'Espace Bernanos, c'est tout près de la gare Saint-Lazare. Voilà. Donc c'est extrêmement pratique. Et pour tous ceux qui habitent l'Ouest, le 6 novembre à 16h à Versailles, au Centre culturel 3ND, rue des Missionnaires. Alors, déjà ce titre est beau, « Chanter pour embellir le monde ». Le monde a bien besoin qu'on l'embellisse. Oui, et puis c'est la mission de l'artiste, surtout de travailler à l'embellir. Une petite pierre blanche chaque jour en supplément, c'est une petite chanson. Ça a l'air de rien, une chanson, mais ça pénètre dans les cœurs et puis si, ça donne de la joie. Absolument, absolument. Alors vous chantez depuis 31 ans. Oui. Depuis les années 85. 85, exactement. Vous ne faites que ça ou vous avez un autre métier ? Non, que ça. Et ces chansons qui sont des chansons, j'ai envie de dire à thème, comme tous les chanteurs comme Hugo Frey, comme le Père Duval, comme Adamo. Oui. Quand j'entends vos chansons, j'entends encore la voix d'Adamo et tous ces chanteurs à texte. Oui, bien sûr. Tous ces chanteurs à texte. Ouais, c'est des gens qui m'ont bercé. Vous aussi. Oui, même quand vous parlez d'Adamo, pour moi, c'est lié à quelque chose de très précis. Parce que j'ai voulu être chanteur, je devais avoir 10 ou 12 ans, je ne sais plus très bien, suite à l'écoute de la chanson « Tombe la neige », qui m'a tellement émerveillé, que je me suis dit « qu'est-ce que c'est beau ». Et ce bonheur que j'avais reçu dans cette chanson-là, j'ai eu envie plus tard de donner à mon tour. Hein. Cette chanson est d'une poésie extraordinaire. Oui, puis c'est d'une légèreté, c'est naïf, mais c'est du bonheur. C'est vrai. Et lui est poétique. Toujours. Ouais. Il est presque lunaire, d'ailleurs. Oui, un peu lunaire, oui, c'est vrai. Puis il a toujours une finesse d'écriture. Oui. Alors, ces chansons, je lisais l'une de vos interviews, ces chansons que vous avez écrites, qui chantaient la joie de la famille, qui chantaient très souvent notre religion. Oui. 30 ans après, sont devenues des chansons beaucoup plus, presque militantes. Comment expliquez-vous cela ? C'est-à-dire que
L'état de composition, c'est aussi, on prend ce qui vient, enfin, tout ce qui souffle dans l'air, les sujets de société, ce qui se vit aussi dans le quotidien, dans sa famille, la manière aussi d'interroger le temps, la fuite du temps. Tous les sujets sont intéressants. Et c'est vrai que l'actualité est très riche actuellement. Oui, mais on a l'impression. Mais c'est un regard qui se pose, c'est un regard de chrétien. On a l'impression que vous avez célébré la famille avant qu'elle ne soit attaquée. Oui, voilà, c'est un peu ça. Parce que vous étiez prémonitoire. Oui, avec Roger, on a sorti le disque Vie de famille, c'était en 94, et puis donc on a eu le prix de la famille pour ce disque-là, oui. Et en fait, à l'époque, c'était presque avant-gardiste d'en parler, quoi. Donc, quand j'écris, par exemple, la chanson De vos entrailles, j'ai pas écrit cette chanson-là pour en faire une chanson militante, c'était une chanson d'amour, c'est d'un petit enfant qui va naître et qui se fait avorter et qui au-delà de la mort, pardonne à ses parents et dit qu'il les attend et qu'il les aime. Donc en fait, c'était une chanson d'amour à l'origine. Après, les gens, quand ils l'ont prise pour eux, eh bien, elle leur a appartenu et il y en a qui l'ont fait une chanson pour défendre justement le combat contre l'avortement. Et donc après, les chansons voyagent. Donc, oui, chacun se les attribue. Voilà, chacun je dirais que quand une chanson sort dans la rue, elle n'appartient plus au chanteur, elle appartient à celui qui l'écoute. Oui. Donc après, c'est devenu une chanson militante, mais bon, j'en suis pas du tout navré. Hein. Alors, on va en écouter quelques extraits. Ouais. Je ne vous avais rien demandé, vous les deux apprentis sorciers qui avez joué à faire ma vie. Fragile étoile dans la nuit, premier instant, mon premier jour, conçu de ce surcroît d'amour. Quand l'un en l'autre vous donnant m'avait permis d'être un enfant. Et mon cœur si chaud, si petit, a soudain explosé de vie. Dans ce ventre plein de lumière, mon silence s'est fait chair. Je suis le fruit de vos entrailles. À l'aube de mon premier jour, je suis l'épi de vos semailles, le plein champ de vos amours. Je ne suis pas un accident, je ne suis pas un théorème que l'on rejette ou que l'on prend, je suis le fruit de vos je t'aime. La première de vos chansons, c'est sur l'épopée de Jeanne. Oui, oui. Parce que quand on redécouvre la foi, moi j'ai retrouvé la foi en 79 et très rapidement les choses se remettent en place, c'est-à-dire qu'on retrouve le sens de la famille, on retrouve le sens aussi de l'aventure française qui est un projet divin quoi sur ce pays. Et quand on prend conscience de ça, évidemment il y a des personnages qui sont emblématiques et qui se jettent un peu sur nous quoi. Et Jeanne d'Arc, moi j'étais sidéré de relire, j'avais lu d'un petit enfance. Mais quand j'ai revu à la lumière de la foi ce qu'elle était vraiment, eh bien, c'était un miracle. J'ai rencontré un miracle en redécouvrant Jeanne d'Arc. Hein. Et j'ai aimé, j'ai voulu la faire aimer aux enfants. Et cette chanson-là était destinée aux enfants à l'origine. Et qu'est-ce qui vous a fait retourner à l'église ? Eh bien, je pense que c'est la prière de ma mère. Prière de votre mère. Ouais, parce que j'étais un peu mal barré, comme on dit. Hein. Parce que j'appartiens à la génération post-68 ans. Comme Sainte Monique. Voilà. Et Saint Augustin. Ma mère était Sainte Monique. Elle est toujours de ce monde, d'ailleurs. Et puis, les chemins qui étaient pris l'ont fait souffrir. Hein. Et donc après, à force de prière, elle nous a invités à faire un pèlerinage dans un lieu où je suis allé en touriste et je suis revenu en pèlerin. Les mères sont importantes. Sans elles, je ne serais pas ici. Alors, un autre sujet effroyablement tragique aujourd'hui, c'est mon père. Oui, c'est le sacerdoce. Le sacerdoce, vous faites l'éloge de... Ouais. De ces hommes qui donnent leur vie à Dieu et à leur paroisse. Ouais.
Alors, le père qui, dont il est question dans la chanson, c'est quelqu'un qui a voulu vivre comme un ermite toute sa vie. Mmh. Et en fait, plus il a voulu chercher la solitude, et plus le monde l'a rattrapé. Mmh. Et donc, quand j'ai rencontré, c'était en 80, je crois. Et puis là, tout de suite, il y a une espèce de coup de foudre spirituel, quoi. Et il m'a reconstruit. C'est quelqu'un à qui je dois tout. Il a tout remis en place dans mon âme, dans mon cœur, dans ma vie. Elle est très émouvante, cette chanson. Et puis, quand on l'écoute, on pense bien sûr à ce prêtre qui a été tué. Bien sûr, hein. Et récemment, hein, bien sûr. À Saint-Étienne, du Rouvray. Mais dans le prêtre, il y a à la fois une âme de père et une âme de mère. Hein. C'est vraiment ce que j'ai ressenti avec lui, quoi. Et quand j'ai voulu faire le choix de la chanson comme professionnel, c'est là qu'on voit la grandeur des directeurs spirituels. Quoi. Je me suis ouvert à lui pour lui demander ce qu'il en pensait. Je voulais être conditionné pour faire un choix. Quoi. On se sent toujours mieux quand on est conditionné. Il m'a regardé, il m'a dit « Le choix que vous allez faire sera le bon ». Et je suis parti avec ça. Ça m'a donné un peu le vertige. Mais comme j'ai toujours été habité par l'envie de chanter, je me suis dit, j'en ai parlé à ma femme, et puis elle m'a dit, on se jette à l'eau, après on verra bien. Oui. Ouais. Alors vous écrivez seul ou avec votre femme? Non, avec Roger. Avec Roger, j'ai beaucoup travaillé avec Roger. Ouais. Donc souvent on a travaillé ensemble sur les chansons, les parties, l'écriture et puis aussi la composition. Mm-hmm. Des musiques, hein. Puis on s'entoure aussi de musiciens de bon niveau en général, quoi. Mmh. Donc c'était pour nous. Et alors cette année, vous avez entraîné vos fils. Oui, voilà. C'est-à-dire que comme j'ai des enfants qui ont un très bon niveau musical, parce qu'il y a Julien qui est pianiste, qui est sorti premier prix de conservatoire de Lyon, et puis Jean qui était lauréat de l'école d'accordéon. Accordéoniste. Et puis l'accordéon et le piano marchent bien ensemble. Hein. Ouais. Et c'est eux qui ont voulu faire enfin monter ce concert. Donc j'ai dit oui, j'ai obéi à mes enfants. Hein. il arrive un moment où il faut. Voilà. Et est-ce qu'il y a sur Internet l'une de ces chansons qui va être jouée dans ces concerts? Oui, c'est sur le disque Chanter pour embellir le monde, ça se trouve sur Deezer ou sur Spotify. Sur les plateformes. Ça, c'est très, très, très bien. Ouais. Et alors là, les fils ont participé à la création des chansons ou juste à la musique? Sur la musique, pas sur l'écriture des textes, mais sur les musiques, les arrangements surtout. Tous les arrangements sont d'eux. Ouais. Ouais. Donc il y a aussi quelques reprises. J'ai repris par exemple dans l'apertoire le pauvre Rudebeuf de Ferré. Oui. Donc un texte de Rudebeuf. Oui. Et puis je me suis permis d'ajouter un couplet que Ferré a omis. Et puis aussi des chansons de gens que j'ai aimé. Pourquoi il l'a omis? Parce que le poème est très long, très long, donc oui. Donc il fallait faire des choix. Oui. Et comme il a voulu répéter le premier couplet une deuxième fois, je me suis dit que ça ne servait à rien, il valait mieux en mettre un autre. J'ai replongé dans Rudebeuf pour pouvoir... Pour lui donner, enfin prolonger un peu sa parole par exemple sur le mariage, parce qu'en fait c'est un échec dans le mariage de Rudebeuf, et il en parle dans ce poème, La Criche d'hiver. Hein. Et puis donc il y a aussi une chanson qui est sur l'amour au loin, une chanson du troubadour Rudel, qui a rêvé d'une femme. On lui a parlé d'une femme qui était extraordinaire, qui habitait à Tripoli, qu'on appelait la comtesse de Tripoli. Et puis, il est tombé amoureux de cette femme sans l'avoir rencontrée. Il a écrit plein de chansons. Il n'en reste qu'une dizaine, je pense. Et puis donc, j'ai traduit toutes ces chansons-là en français moderne. Ah oui. Avec des nouvelles mélodies. Ah oui. Et puis donc, j'ai chanté à ma femme à Blaye, donc où a vécu ce troubadour, sur la margelle du puits du château. Et puis je lui ai dit, la prochaine fois, je te la chanterai à Tripoli, là où il est mort, parce qu'en fait il est mort dans les bras de cette bien-aimée, sur le port de Tripoli. Qu'il a fini par retrouver. Voilà, et qui a fini par retrouver, il a profité de la deuxième croisade. Donc c'est l'amour au loin, c'est presque le sommet, c'est la limite entre l'amour humain et l'amour, l'amour céleste. Voilà, ouais. C'est un peu cette frontière, c'est extraordinaire. Moi j'ai été bouleversé par cette aventure. Hein. Bon, c'est fou ce que vous nous avez dit de choses ce matin. Nous allons vous écouter. Nous allons vous écouter et nous allons aller au concert. Alors, je redis, chers amis de TV Liberté, Chanter pour embellir le monde,
4 novembre à l'espace Bernanos à 20h et le 6 novembre après-midi 16h à Versailles au centre culturel 3ND, 3 rue des Missionnaires. C'est tout près de la gare Versailles-Rive-Droite. Donc c'est très facile pour venir de Paris. Merci beaucoup, Patrice Martineau, je vous en prie, d'avoir honoré de votre présence cette émission. Mais merci à vous. Et j'espère que les téléspectateurs de TV Liberté seront nombreux à aller voir votre, à écouter votre concert. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Patrice Martineau. Merci, Anne. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Liberté, pour cette rubrique patrimoniale, nous avons invité Karim Ouchik. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le président du CIEL, S-I-E-L, dont nous connaissons l'ancien président Paul-Marie Couteau. Mm-hmm. Et vous avez récemment mis en action une association qui s'appelle SOS Église en détresse. Église de France. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez créé cette association ? Alors, la genèse de cette opération, de cette association, est fort simple. Comme beaucoup de Français, j'ai été bouleversé par la destruction de certaines de nos églises. Oui. Qui se sont multipliés les années passées, notamment. Dont Saint-Jacques-d'Abbeville, dont nous voyons là l'écroulement, qui a été un choc pour... Un choc visuel et un choc même émotionnel. Parce que une part de notre histoire, de notre civilisation, tombait sous les mâchoires des pelleteux. Et on voyait bien évidemment que ce projet qui consiste à déraciner les Français de leur civilisation avait une traduction directe dans la destruction de nos églises. Et à force de voir les églises démolies, à force de voir nos églises abandonnées, nos chapelles bannies de toute l'attention des pouvoirs publics, j'ai décidé avec d'autres évidemment de me battre et de relever ce défi. Qui consiste à dire, pour faire simple, plus une seule église ne doit être démolie de notre terre de France, alors que se multiplient partout des mosquées qui émergent aux quatre coins de l'Hexagone, avec l'expansion d'un islam totalement décomplexé, qui suscite par ailleurs des angoisses identitaires chez nos compatriotes. Je trouve tout à fait fondamental, c'est un combat de société, c'est un combat de civilisation, de préserver notre capital culturel et donc nos églises. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des mairies qui louent des terrains pour des sommes absolument ridicules, de beaux terrains pour la construction de ces lieux dits de culture, et puis ils n'ont jamais aucune finance pour leurs églises. Il y a comme un problème. Le processus mortifère, il est là. C'est-à-dire que c'est moins les destructions d'églises que je dénonce que l'abandon de celle-ci par les pouvoirs publics. Ouais. Parce que les destructions d'églises, si on répertorie les dernières destructions qui se sont produites depuis 2000, il y en a eu 34, c'est-à-dire quasiment deux églises par an. C'est deux destructions par an de trop. C'est déjà beaucoup. Mais c'est considérable. Reprenons l'histoire de Saint-Jacques-d'Abbeville. C'était le seul bâtiment qui était resté debout, dressé vers le ciel, dans un paysage qui avait été ravagé. Absolument. Par la guerre de 14. Le témoignage du passé qui subsistait le seul. Après 14-18, c'était l'église d'Abbeville, qui avait un intérêt architectural. Alors elle était néoclassique, néo-gothique, je veux dire. Les gens cultivés de la rue de Valois décidaient que ça n'avait pas d'intérêt. Le néo-gothique, poids, quelle horreur. N'empêche que c'était quand même un très fier bâtiment et que... la vie des villages de cette ville était axée sur cette église, autour de cette église. Il y avait une vie paroissiale, il y avait une vie de quartier. Moi, je m'y suis rendu cette année pour voir au fond ce que la mairie avait décidé de substituer au lieu et place de cette église. En fait, il y a un parking, un petit jardin aménagé autour duquel on a évidemment multiplié les places de parking. Et donc, l'âme qui existait dans ce quartier et autour de laquelle, au fond, cette église constituait le repère visuel, a disparu au profit de quoi ? Au profit d'un vide, un vide spirituel, un vide culturel. C'est tout à fait détestable. Et cette église Saint-Jacques est assez emblématique, au fond, de la manière dont procèdent beaucoup de villes. On décide
de ne pas apporter le soin nécessaire pour entretenir le bâtiment, lequel se dégrade. Et comme il se dégrade, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent tomber sur la voie publique. On la ferme, on l'entoure, arrêté de péril, on l'entoure de palissades. Voilà. Après, on décide... On attend encore un peu. On attend un petit peu. En rapport ou en relation avec le diocèse, on désacralise le bâtiment. Et une fois que l'opération est faite, soit on vend le bâtiment à des financiers, à des marchands de biens ou à des hôteliers, soit on décide purement et simplement de le détruire. Donc c'est ce processus-là mortifère, diabolique, qu'il nous faut absolument enrayer. Parce que, est-ce que la première réaction, en dehors des associations, c'est quand même les gens, les voisins, les habitants des villes qui sont concernés. Est-ce que les gens de Saint-Jacques-d'Abbeville n'ont pas été quand même tragiquement... inactifs. Alors, certains ont été actifs, mais malheureusement... Il y a eu une petite association. Voilà, il y a une association, et comme dans beaucoup de villes, il y a des combats locaux qui s'organisent pour tenter de préserver leurs églises, leurs chapelles, leur chemin de croix, etc. Mais malheureusement, c'est le choc, en réalité, de la petite association, avec le titan municipal, départemental ou régional. Oui. Le rapport de force est tout à fait déséquilibré. Oui, mais est-ce que votre association va armer ces gens-là pour s'opposer avec efficacité, parce qu'une association qui sans efficacité, c'est pas la peine de se fatiguer. Bien sûr. Le projet de SOS Église de France, c'est à la fois de service de caisse de résonance à toutes ces initiatives locales qui tentent de préserver une chapelle, de résoudre des difficultés dans une cathédrale qui est mal entretenue par les services de l'État, une église qui a été délaissée, et de servir de caisse de résonance au plan national. Bon, ça, c'est le premier rôle de l'association que je préside. Deuxième rôle, avoir un rôle politique. Nous souhaitons saisir nos parlementaires, nos élus, dans les régions, dans les départements, pour leur dire qu'au fond, il existe ce que moi j'appelle une servitude de civilisation. On doit traduire dans la loi. C'est quoi cette servitude de civilisation? C'est de se dire que nous sommes dépositaires, nous autres Français, d'une histoire, d'un héritage. D'un patrimoine. D'un patrimoine considérable qu'il nous faut à la fois conserver, préserver, valoriser et transmettre aux générations futures. Et que par conséquent, il appartient au pouvoir public, mais aussi au diocèse, mais aussi aux propriétaires privés de tout faire, quitte évidemment à ce que les pouvoirs publics financent les travaux de conservation, tout faire pour préserver intacts ces lieux de culte. En attendant, évidemment, mais ça c'est une question de redressement spirituel et moral de la France, que les fidèles reviennent évidemment occuper ces bâtiments. Donc cette notion métapolitique de servitude, de civilisation, il nous faut la traduire dans la loi. D'où cette volonté de l'association que je préside d'agir auprès des élus pour faire progresser la loi et imposer en quelque sorte le refus qui est le nôtre, le refus collectif des Français de voir nos églises et abandonnées et détruites. Et vous avez déjà commencé cette action de lobbying, comme on dit en anglais, puisque l'association a été constituée voici un mois à l'occasion des journées du patrimoine de cette année. C'est tout récent. C'est tout récent. Nous avons un groupe de travail de juristes qui essayent de trouver la formulation juridique permettant de passer de cette notion métapolitique de servitude de civilisation à une notion juridique qui pourrait passer par la loi, c'est important. Et donc nous carrément avons... leur imposer des interdictions. Tout à fait. Et aussi demander aux candidats qui vont se présenter sous peu au présidentiel en 2017, mais également... De se prononcer, en dire voilà, nous avons cette idée de graver dans le marbre de la loi cette notion de servitude de civilisation, d'aucuns diraient servitude spirituelle. Quelle position prenez-vous? Vous, candidat au présidentiel, vous, candidat aux législatives. Il faudra que chacun de nos candidats se positionne et nous fera en sorte, évidemment, de porter à la connaissance du plus grand nombre les résultats que nous pourrons collecter ici ou là. Est-ce que votre association envisage aussi une action ou une information auprès des évêchés? Parce que les évêchés signent l'autorisation de la désacralisation. Donc ils sont co-responsables. Ils sont co-responsables, donc il leur appartient également de se gendarmer, de prendre en considération l'émotion populaire qui peut se développer ici ou là, les conséquences que peut entraîner une fermeture d'église ou une vente, voire une destruction d'église. Ouais. Et si vous voulez, toutes ces destructions, tous ces abandons prospèrent sur en fait, la méconnaissance de l'opinion publique de ces réalités-là. C'est parce que l'opinion publique n'est pas saisie véritablement d'un point de vue national des drames qui peuvent se produire ici ou là, que ces opérations de destruction prospèrent un petit peu partout. Dès l'instant où vous mettez le projecteur sur ces opérations-là et que l'opinion publique,
via l'association que je préside, mais d'autres, parce que nous ne sommes pas tout seuls, évidemment, à œuvrer dans ce sens-là, apportent une information. TV Liberté milite depuis 3 ans déjà, depuis de sa création. De manière extrêmement fidèle et constante, avec, et je remercie ce média. Avec l'association, la très belle association Observatoire du patrimoine religieux. Qui fait un très gros travail d'un point de vue de recensement des édifices menacés. Et, et d'information. Et d'information. Mais le charisme ou la particularité de l'association que je préside, c'est de vouloir être absolument l'interface entre toutes ces associations dont le travail est remarquable et que nous encourageons à travailler encore dans cette direction, puis le rôle que nous devons avoir de groupe de pression politique avec un grand P, c'est un combat de civilisation que nous menons, pour faire progresser cette cause qui nous est commune. Et par ailleurs, est-ce qu'on peut envisager, vos juristes ne peuvent-ils pas envisager des aménagements financiers? Parce que je suis frappée du coût des opérations de rénovation, puisque le ministère impose des artisans particuliers, comme d'ailleurs pour les châtelains. Vous n'avez pas le droit, si votre maison est classée, de faire travailler sur votre toiture n'importe quel artisan. Mmh. Alors c'est très gentil d'imposer des lois et des réglementations, mais il faut faciliter l'exécution de ces réglementations. Est-ce qu'il n'y a pas un biais financier, c'est-à-dire soit créer des fonds d'aide, soit obtenir des abaissements d'impôts, soit carrément des suppressions de taxes. Vous faites rénover une église, vous ne paierez pas de taxes, et puis de TVA, ce n'est pas plus difficile que ça. C'est certain. On ne peut pas demander aux propriétaires publics, diocésains ou privés, de conserver intact leur bâtiment cultuel, leur bâtiment religieux, sans leur apporter un appui financier, c'est certain. L'argent ne tombe pas du ciel, si j'ose dire, donc il faut apporter des appuis. Et je crois très fort, évidemment, en la nécessité d'aménager notre réglementation, le code de l'urbanisme, faciliter certaines opérations, introduire plus de souplesse dans un maquis réglementaire qui souvent est très opaque, et puis surtout multiplier les incitations fiscales. Je pense que c'est cela qu'il faut imaginer, et être aussi très créatif en créant peut-être des fonds qui pourraient avoir un rôle d'appui financier pour préserver ces bâtiments cultuels, avec une volonté de décentraliser au maximum. Je crois que tout ce qui est centralisé à Paris est inefficace. Et je crois que ces fonds doivent être traités, gouvernés, mis à disposition des propriétaires à une échelle que je qualifierais de pertinente de la région. Nous avons 13 régions, il nous faut donc 13 fonds d'appui aux propriétaires d'églises et autres chapelles. Alors là, Karim Ouchik, on peut vous dire qu'il y a un gros problème avec la régionalisation, parce que chaque région va se retrouver à la tête de 40, 50 églises, et quand la majorité sera une majorité de gauche, elle dira « ça fait 49 églises de trop, nous n'en gardons qu'une ». Donc l'échelle doit être infiniment plus petite. Ça doit être au niveau de la commune. La région n'a pas à imposer sa loi à la commune. Si nous tuons les communes, c'est tout le maillage de la France qui saute. Ce n'est pas l'homme politique que je suis de me convaincre de la nécessité de conserver ce maillage local. Je crois évidemment dans cette nécessité absolue de conserver la commune comme échelon administratif de repères quotidiens de nos compatriotes. C'est la seule démocratie. La démocratie de proximité, la seule, c'est la commune. Parce qu'on connaît son maire, on connaît les maires adjoints. Absolument. On peut aller taper à la porte de son maire pour se plaindre ou le féliciter de en lui disant action. Pas de salisette. Absolument. Et c'est très compliqué de le faire à l'égard du président ou de la présidente de région. C'est carrément simplement impossible. Il faut articuler le rôle de l'un et de l'autre. Je pense que la compétence au niveau des décisions qui doivent être prises pour préserver une église, une chapelle, des vitraux, un cimetière, doit être conservé à demeure, c'est-à-dire dans les communes. Simplement, il peut y avoir un relais financier, et uniquement financier, puisque la force de frappe financière, elle se trouve à l'échelon régional, puisque vous savez, lorsque vous devez restaurer une église, une chapelle, ça se chiffre par des centaines de milliers d'euros, et le petit village a souvent très peu de moyens pour affronter ce genre de dépenses. Donc il faut avoir un relais régional, certainement pas au niveau national et jacobin, mais laisser
la compétence d'instruction des dossiers et surtout de décision à l'échelle des communes. Nous sommes d'accord, Anne Brassier. Mais comme le problème consiste à... toutes ces régions, c'est un accroissement des frais considérable. Il n'y a aucun service intermédiaire qui est supprimé et la région double tous les autres services. Donc il n'y a aucune économie, donc il n'y a pas d'argent, donc on va dans le mur. C'est certain. La réforme a été excusez-moi de mon radicalisme, Territoriale qui a été entreprise en dépit du bon sens, ça c'est certain. Et je regrette qu'on ait dépossédé en quelque sorte les départements de leurs compétences au profit de la région, car je crois qu'au-delà des communes, l'autre échelon pertinent qui constitue un repère pour chacun de nos compatriotes, c'est le département. Je crois très fort en la nécessité de garder ce triumvirat qui consiste à se reposer sur la commune, sur le département et l'État. Contrairement à ces forces libérales, libertaires qui voudraient faire sauter ces verrous territoriaux au profit de méga-régions compatibles avec les Länder allemands et puis avec l'Union européenne. L'idée, c'est que nous puissions, avec l'Union européenne, construire un modèle de société qui nierait la présence des États, qui abolirait la présence des communes et des départements. Donc c'est un projet extrêmement destructeur de l'identité des nations européennes contre lequel je me gendarme depuis bien des années. Merci, Carré Mougique. Merci, Charles Marcier. Nous sommes heureux de ce nouveau combat et de cette nouvelle association. Merci de nous faire savoir à chaque fois que vous le pouvez vos opérations et nous leur donnerons tout l'écho nécessaire. Merci mille fois. Je crois qu'il en va du sort du pays, il en va de la beauté du paysage. De l'âme de la France. Et il en va de la sérénité des Français. Non. Si on leur décapite tous leurs clochers, je crois que les Français seront bien malheureux dans l'avenir. Là où souffle l'esprit, le droit de propriété n'est pas un absolu. C'est ce qu'il faut se dire. Là où souffle l'esprit, dans nos chapelles, dans nos églises, dans nos cathédrales, on peut certes opposer le droit de propriété du diocèse, de l'État, du propriétaire privé, mais quelque chose qui dépasse. Alors, le droit de propriété, c'est... Le droit de propriété, l'État n'est responsable de rien. Ces églises ont été volées à la Révolution par l'État et par la République. Donc, si vous voulez, le droit de propriété de l'Église, excusez-moi d'en douter, je le refuse complètement. Mais ça, ce n'est pas un langage politique, un langage de... Passionné, c'est un langage de... Non, mais c'est un constat. C'est une réalité, bien sûr. Volée deux fois. Volée en 89 et volée en 1905. Ça fait deux vols. Donc, si vous voulez, il ne faut pas parler de la propriété de l'Église par l'État. C'est... c'est une négation de la réalité. Voilà. C'est une réalité juridique, mais que nous devons dépasser. Là où souffle l'esprit, je le répète, ce droit de propriété est tout sauf un absolu. Merci beaucoup, Carré Mougique. Merci beaucoup. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre édition de Perles Culture.